Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve réellement pour le début de notre aventure américaine sur Far Cry 5. Installez-vous confortablement, bienvenue dans cet épisode 1. Je pense clairement qu'on va faire une nouvelle partie, histoire de vous remettre dans le bain. L'épisode 0 était un petit peu un troll avant l'heure, avant le 1er avril, appelez-le comme vous voulez. Puis je ne savais pas que ça menait directement à la fin du jeu. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour l'aventure américaine. On va se retaper l'intro du début. Si néanmoins vous l'avez déjà vu avec l'épisode 0, allez directement dans la description à la minute 10, comme ça vous sauterez ce que vous avez déjà vu. On revoit pas tout ça, on s'en fiche hein, totalement, hop. Après, voulez-vous effacer la sauvegarde? Je le rappelle, on avait fini le jeu dans l'épisode 0. Là, on va le faire sérieusement. On est parti pour cette aventure américaine. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi boire et de quoi manger. Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, tout à son bourgeois à toi, mon frère. Vous ne comprenez pas, on ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'était une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader. Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Hé, petit. Petit. Tu perds ton temps, y a pas de réseau ici. Je franchis la rivière Enbane. Chez les cinglés. C'est encore loin, juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, shérif ? Non, non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed, faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Watt, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît? C'est fait. Whitehorse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? À vous. On a... malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Pat ! Les tarés, c'est une trouvaille à vous ? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils sont débarqués gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif ? On y est. C'est juste en dessous de nous. Oh, nom de Dieu. C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance, Marshall.
c'est parti. Bosno. Pratt, bien compris. Centrale, toujours là? Oui, chérif, je vous écoute. Si je donne pas de nouvelles d'ici 15 minutes, envoyez du monde, appelez même la garde nationale s'il le faut. À vous. Ok, chérif. Je vais prier pour vous. Bon, écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Personne ne dégaine son arme. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris? Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va! Il est dans l'église. Suivez-moi! Allez, on est donc reparti, nous revoici devant cette célèbre église et cette fois-ci on va tenter de lui passer les menottes au poignet, ça risque d'être bien compliqué. Bienvenue à tous dans cet épisode d'Impact Troll. Je pensais pas, je vais être très honnête avec vous, je pensais pas que ça menait directement à la fin du jeu. Il avait fait dans Far Cry 4, hein, bien évidemment aussi, mais je pensais que ça menait tout simplement peut-être à une cinématique à part. Mais que nenni, c'était direct la fin du jeu, donc c'était comme je disais en début d'épisode, un peu un troll avant l'heure. On est parti les amis, le monde de Far Cry 5 va bientôt s'ouvrir à nous. On va voir ce que ça donne une fois les menottes passées au poignet. On y va, je ne peux pas aller plus vite hein, les gars. Appuyez sur Z pour marcher, là je suis au maximum vraiment. C'est parce que j'ai des chaussures de ski, hein. C'est pas évident, ça se voit pas. Bah c'est le Montana hein, les gars. Hein. Un peu, on est un peu au state ici. Hein. Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez. Essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, doucement. On y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça calme. Suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Allez, nous revoici donc devant le père. Il est temps de l'arrêter. Et ça y est, je sais quelle voix a le Marshall. C'est le doubleur d'Arnold Schwarzenegger, cette voix incroyable.
Monsieur, vous êtes en état d'arrestation, veuillez me suivre. Je rappelle que nous sommes aux États-Unis d'Amérique et vous êtes condamné à 10 000 ans de prison ferme. Et je rappelle que c'est un jeu présenté par Ubisoft. Allons-y. Ok. Les gars, ça va partir en couille. Hein. Ça va partir en couille. On va se faire arracher. Amener le chef de la secte à l'hélico. Hélicoptère. On va prendre ce qu'on mérite. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. On va droit. Chut dessus. Ok, qu'est-ce qui s'est gravé dans le dos? Stony Bugsy, je ne sais pas. Je ne vois pas. Toi, la vie de ma mère. Eh, me regarde pas comme ça. T'es fou quoi, toi? Eh, toi, eh, je reviendrai aussi, toi. Oh, le Montana, c'est à moi maintenant, les gars. C'est à moi, t'entends? Ok, eh, il a stylé les lunettes par contre. Ils auraient dû mettre ça dans l'édition collector. Ok, on leur. Oh, toi, t'as pris ce que tu méritais. Hein. Faut pas taper les femmes, les gars. Ça, c'est pas bien. On a beau être aux États-Unis d'Amérique. Ça ne se fait pas, bien évidemment. J'embarque votre père. Ah, en gros, les citoyens. Ils sont avec une sorte de chemise. De veste blanche. Et les autres, ils sont armés. Cachez-vous de là! Mais bouge ton cul! Hop, ça c'était gratuit. Hein. C'était gratuit, ça mangeait pas de pain. Allez, mais lui ce qu'il mérite, tu es Smart Charles. Oh! Tiens, hop, ça dégage. Attendez, mais c'est des zombies ou quoi là, les mecs? Oh, casse-toi, toi! Tu t'es pas malade! Tiens, ça dégage! Vous l'aurez compris, les amis, nous avons fait à peu près 35 mètres en hélico. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez! Je t'avais dit que Dieu ne te laisserait pas me prendre. Pitié! J'ai besoin de savoir ce qui se passe! Oui, Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Personne ne va venir te sauver. Ah d'accord, donc c'est bien au-delà le Montana, sa puissance divine, n'est-ce pas? Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. On s'en est ici. Que la récolte commence! Oh, Seigneur Dieu, on arrive à se tirer d'ici! Ils brûlent! L'ordre divin! Et leur punition!
gars, on est parti. On se casse os, les gars. Allez, on est parti. Bon, les gars. Ah! C'est rien, c'est juste une balle. Aux États-Unis d'Amérique, je peux survivre à 3 ou 4 balles. Ok, en ce cas, je sais pas du tout, faut partir par contre. Appuyez sur Shift. J'y vais là, hein. Je donne tout ce que j'ai. On va passer par ici. Ah, c'était peut-être pas prévu ici. Il y a des lumières. Ok, on y va. Allez, allez, ça serait bien parce que je peux pas tout faire en nageant. C'est quoi ça? On entend quoi là? On entend un bûcheron. On entend quelque chose de suspect. On se casse, on se tire. Je sais pas par où partir, hein. Je sais pas où faut fuir. Ah, peut-être par ici, non? Ok, c'est pas mal. Non, dites-moi pas qu'on a fui et genre faut pas aller à un endroit précis. Énorme, énorme, énorme! Y'a pas un flingue? Ah putain, y'a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une barre à mine! Ok, qu'est-ce qu'on a là? Attendez les gars, je rappelle qu'on est sur. Oh putain, c'est la première fois qu'on fait un Far Cry sur PC. Ça va être beaucoup plus beau, mais quand même. Oh mon dieu, de la viande! C'est déjà mon instinct de survie qui prend le dessus. Waouh, ça va être compliqué! D'accord, faut déjà passer en mode discrétion. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Non, mais une branche, tu t'es foutu de ma gueule. Redonnez-moi immédiatement ma baramine. Ok, j'y vais avec la branche, je m'en bats les couilles. Ok, on va faire attention, c'est parti. Ah. Allez. Ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je peux le piller. Alors, monsieur, on peut déplacer les corps, donc là, rien de nouveau là-dessus. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On plie aussi. Faut vraiment que je me fasse aux touches, hein. Désolé si je parais un petit peu trisomico dès le début. Ok. Oh là là. Là tu me parles, cowboy. C'est terminé pour vous. Bon. C'est pas mal. Par contre, je sais pas du tout où aller. En fait, est-ce que je suis déjà libre de mes faits et gestes? J'en ai strictement aucune idée. J'ai appuyé sur échappe, grave erreur. M, j'ai pas encore de map. On va voir ce qu'il y a par ici. Tiens, le jeu est très très beau, hein. Okay. Dieu l'a protégé comme il nous protégera. Donc que nous faisons confiance au Père. Tu vois, un mobile homme, pas loin, près d'un pont assez long. Je peux faire une double exécution. Ok. Ok, c'est pas mal, les gars, je peux pas tout suivre là, c'est terrible tout ce qui se passe. Pour Joseph, là, je vois. Non, mon Dieu! C'est vraiment. Aïe! C'est rien les gars, on va cavaler nos morts, pas de soucis, on va essayer de s'échapper. Oh là là, c'est plus qu'à 60 mètres, on y est presque. Ah, c'est juste au-dessus du pont. Pas de soucis, non mais c'est bien, en fait on est libre dès le début. Et ça c'est vraiment plaisant. Ok, on va rentrer là-dedans. Ça me paraît pas mal cette histoire. Ça me paraît pas mal du tout. Oh non, Dieu. Merde. Désolé. J'ai cru qu'ils avaient... Allez! Allez! Fouille la pièce vite! Oh Seigneur! J'aurais jamais cru! Merde! On va foutre tous ces connards derrière les barreaux! Toute la famille! Putain, fanatique! On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici. Avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste. Ok. Putain, les mecs, ils sont complètement manipulés, c'est terrible. Ah! Ok, j'avais pas d'armes. Ok, on est parti, ça dégage. Ça dégage. Il a fait ce qu'il méritait, celui-là. Ok, ça dégage aussi. On va faire attention. Est-ce qu'on peut se pencher? Simple question, mais... Ça peut être plus que typique. Qu'est-ce que tu fais, Johnson? Ah ouais, je suis déjà pas bien, genre, vraiment. Ok, il y a un mec qui est à terre aussi. Faut se soigner. Est-ce que c'est bon d'utiliser un medikit dès le début? Je ne pense pas. Mais bon, à mon avis, c'est scripté pour l'instant. Ok.
Ok. C'est... Alors, ils ont un signe, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se relever ou probablement en danger de mort. Là, parce que lui, il s'est relevé. Lui, il était pas bien, on est d'accord. Ok, on va faire attention, les gars. J'y vais peut-être un peu trop bourrin, j'ai peut-être trop la confiance parce qu'on est sur PC. Ok. Entrez dans le camion. Waouh! Clé requise. Waouh! Les gars, je panique! Ok, j'ai ramassé des trucs. Comment faire? Déverrouiller. J'arrive. Arrête de klaxonner, je stresse, putain! Elle a mis. Eh. Ah! Oh non, mais c'est terrible! On a déjà failli mourir, les gars, et ça, c'est beau! Ça, c'est l'Amérique! Ok, on va utiliser un soin si ça vous gêne pas. Ok, attendez, les gars. Voilà, ça dégage. On va reload. Ok, c'est pas mal, faut que je me fasse aux touches. Yo, frérot. Bon boulot. J'y serais passé sans toi. Faut qu'on y retourne. Mais avec un bon plan. On sait pas à qui on peut se tuer. Non, je sais pas pourquoi, je ne tue pas des animaux, je sais. C'était totalement gratuit, je sais pas. Mais moi je me rendais compte, je me disais, mais c'est ridicule, c'est méchant. Hop, on va rentrer très vite, hein, on va rentrer très vite. Non, c'est pas bon de sortir sa tête à ce niveau-là. Quoi derrière nous? Ok, lui il a pris ce qu'il mérite. Okay, hop, on va vite rentrer. Alors, attendez, je me soigne, les gars, si ça vous gêne pas. Je suis sûr que si je ne tire pas, on peut quand même y arriver. Même sans tirer, j'en suis quasi sûr. Hop. Il y a la dynamique derrière les camions. Attends, il y a vraiment de la dynamique derrière. Des codes. J'ai pris de la dynamique, les gars. C'est terminé pour vous, putain. Attendez. Je sais plus ce que je fais, je sais plus. Je suis manipulé. Je sais plus ce que je fais, je sais plus. Ok, on va soigner. Les gars, comment on prend la dynamique, bordel de merde, de chiottes de merde? Ok, je l'ai. Non, c'est une branche. Comment on change d'arme? Ok. Merde. Mais prends-le, putain, équipe-toi de ça. Mais quel est... Oh là là. Bon, je vais mourir. Je vais mourir dans d'atroces souffrances, les gars. Bah ouais, putain, mais c'est quoi ces conneries, les gars? La roue des armes, pourquoi tu t'en équipes pas, frérot? Oh, mais c'est terrible. J'avais de la dynamite. J'aurais pu tout faire péter, hein. J'étais à deux doigts. Allez, ok, on est parti. Mais qu'est-ce que c'est que ça peut nous... Ok, on rentre là-dedans. Les gars, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment... Quelle est cette... Bon allez, ça dégage, c'est bon, là ça commence à me gonfler. Quelle est cette sombrerie, les gars, là? Je vais pas aller sur console parce que je sais pas sortir un bâton de dynamite. Ils sont foutus de ma gueule. Ok. Normalement c'est tiré du bas, hein, les gars. Ok, ça c'est fait. Ok, c'est pas mal ça, on va éviter de sortir du véhicule. Oh là 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 là, Far Cry sur console, sur PC, pardon, c'est vraiment la première. Oh, il est mort! Non, il est pas mort. Il est mort! Je suis un monstre. Là, ça rigole zéro, là. En plus, je rappelle que d'habitude, je suis un joueur PC, mais là, c'est vrai que c'est une sensibilité. D'ailleurs, peut-être sensibilité un petit peu trop haute, si je peux me permettre. J'ai toujours pas ma dynamite, c'est terrible. Ok. On va utiliser un Medikit. Ok, c'est bon, normalement. Non, ça ne veut pas en fait. Ah! Ah! Ok. Ça, c'est beau ça! Oh, il est prison lui! Ok, j'ai trouvé la dynamite, putain, fallait appuyer sur le clic molette, ça n'avait rien à voir! Oh, le coup dur de la part du joueur franco-malgache! Ils ont du soutien aérien maintenant! Attendez, j'ai pas été préparé à ça, les gars, à l'armée, hein. J'ai clairement pas été préparé à ça, c'est moi qui vous le dis. Oh, il a pris ce qu'il méritait, celui-là. Celui-là, il a pris ça dedans, ça va aussi. Oh, t'es là, t'es sapé comme jamais, fais pas le malin. Meurs, en fait, non, voilà. Ah. Ok, on va soigner une dernière fois. Ouais, mais c'est bon, putain, c'est bon. Oh! T'as pris ce que tu méritais, ça c'était un civil. Ok,
Ok. C'est terrible, les gars. Des vaches! Oh non, non, je vais me faire péter la gueule. Ok, on va soigner. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir survivre comme ça, mais pas bien longtemps. J'ai plus de dynamite, j'ai plus rien. Je sais pas ce qui se passe. Allez, faut traverser ce pont et on est en sécurité. Oh, oh lui, il est stock. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon, mon pote, je m'en occupe. Allez, c'est pas fini, les gars. On prend un peu l'eau. On prend clairement ce qu'on mérite. On s'est fait laver, mais il avait dit de pas lui mettre les menottes, hein. Désormais rejoint l'écrasement de ma famille. Tous sauf un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Et c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterai de te livrer. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Eh bien, c'est la fin, les amis, de cet épisode 1. Incroyable! On a réussi forcément à s'échapper. Attention, attention, parce que je crois que le Marshall s'est totalement reconverti. Ça risque d'être terrible quand on va le croiser. On continuera et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure américaine, bien évidemment. L'épisode 2, normalement demain. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.